Bonjour à tous, alors on se retrouve pour tester ce chargeur de véhicule électrique. Alors je profite de le faire puisque maintenant les chargeurs sur les Tesla sont payants à 200 € et celui-ci va être bien plus abordable et permettra de charger plus vite votre véhicule que le câble d'origine Tesla. Donc je vous explique ça dans cette vidéo, on fait l'unboxing, je vais le tester et je vais profiter dans une seconde vidéo de passer ma prise classique domestique que vous connaissez sur laquelle je charge en 13 A depuis 3 ans mes deux véhicules électriques. Je la passerai en prise renforcée type GreenUp. J'ai déjà regardé, je pense que j'en aurai pour moins de 100 €, tout compris. Je vous ferai ça en vidéo pour vous expliquer ça. Et donc le but, ça va être de pouvoir charger plus vite, donc techniquement en 16 A, 3,7 kW. Donc ce chargeur, je ne l'ai pas payé, c'est Benny qui me l'a envoyé. Benny, c'est la marque des panneaux solaires que j'ai achetés. Donc là, les panneaux solaires, je les ai réellement achetés. Et j'avais contacté la marque après pour dire que j'avais fait une vidéo sur leurs panneaux. Et du coup, il m'avait proposé une affiliation. J'avais vu qu'ils vendaient ces chargeurs, moi je voulais passer en 16 A tout en mettant une prise renforcée. Sur les chargeurs Tesla, alors ceux d'origine c'est pas possible, c'est 13 A maxi. Par contre vous pouvez, on va dire quelque peu, les modifier avec deux embouts à acheter, un chez Tesla et un sur Amazon ou d'autres sites. Je vous remets les références de ces articles dans la description. Mais ça coûte déjà assez cher, ça coûte plus cher que le chargeur ici. Donc maintenant qu'il faut acheter le chargeur Tesla d'origine à 200 € plus les adaptateurs, et que ça fait une prise un peu bizarre, je préfère ce type de dispositif. Allez, je vous propose qu'on déballe le produit, et puis on teste tout ça. Alors voici le kit quand on le reçoit. Alors vous avez un petit sac de transport, qui est plutôt sympa pour pouvoir ranger le câble. Une notice, mode d'emploi, il est en français. C'est plutôt sympa. Et rare. Ensuite vous avez le câble, la partie du T2 qui est protégée, la prise électrique classique et le chargeur avec deux boutons avec une programmation possible. Alors ce que je vais faire ce soir, je vais le brancher, je vais voir déjà ce que ça donne au niveau puissance de recharge. Je vais tester, voir si on peut aller aux 16 A sur ma prise classique. Alors je le ferai juste un instant pour voir si ça fonctionne. Après je repasserai à 13 comme je fais habituellement en attendant de mettre une prise renforcée. Je branche ça ce soir et puis on regarde à quelle vitesse ça peut charger. La prise de l'UMC, vous voyez, elle est comme ça, et celle du câble est comme ça. Alors on a la température, l'ampérage, et je sais que sur certaines prises renforcées, il faut qu'il y ait la gestion de la température pour pouvoir aller aux 16 A. Alors au niveau du pistolet, il est un petit peu plus grand que celui d'origine, regardez. Il est même bien plus grand, et on n'a pas de bouton pour pouvoir ouvrir la gâchette de la trappe. Par contre, vous avez une protection en caoutchouc avec. Bon, je ne sais pas si ça va me servir, je pense que je vais l'enlever. Pour ouvrir votre trappe, vous pouvez appuyer dessus. On branche. Ça s'insère bien. Suspense. Ah oui, comme j'ai programmé mes démarrages à domicile, on va tester tout de suite. Recharge à 22 h. Démarrer la charge. Alors attention, à combien ça charge? Ouais, 16 A. Là vous le voyez ici, alors c'est en train de monter. Mais ça va aller jusqu'au 16 A. Ouais, 11 h et 100. Alors que moi d'habitude je charge à 13. Je vais couper la clim pour que ça donne les bonnes données. Là, de 39 à 100, d'habitude, j'ai besoin de 13 h 25. Et en passant à 16 A, j'ai besoin de 11 h. Donc ça charge à 4 kW. Bon, par contre, on va pas aller au maxi de la prise quand même. On va laisser au normal. Je vais arrêter la charge et je vais le laisser se charger ce soir à 22 h sur les heures creuses. Ça fait moins bricolage que les embouts qu'on doit rajouter sur l'UMC pour pouvoir charger à 16 A. Allez, on va aller voir sur la prise ce que ça donne quand on charge. Alors, il existe deux longueurs de câble. Là, c'est la plus petite, c'est le 6 mètres. Donc, c'est la même longueur que l'UMC d'origine. Mais il existe aussi une option 8 mètres. Si vous êtes garé un petit peu plus loin, vous avez besoin de plus de câbles. C'est impeccable, pas besoin de rallonge. Alors, un petit point positif à ce câble. Il est beaucoup plus souple que celui d'origine Tesla. Donc, pour le plier, vous avez beaucoup moins de difficultés. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Par contre, côté négatif... Pour le débrancher, bah, vous n'avez pas de bouton, donc vous devez lancer l'appli ou le déverrouiller par l'intérieur. Soit par un petit câble ici en tirant dessus dans le coffre, mais c'est pas beaucoup recommandé, ou en appuyant sur l'écran. Directement ici, déverrouiller la prise.
Alors cette nuit, il a bien chargé le véhicule de ma femme. J'ai des routines d'installer qui me permettent de charger de 6h à 22h. Ça a fonctionné, j'ai rien touché et j'ai juste branché le câble. Ça a démarré à 22h, ça a arrêté à 6h. Alors je vais démarrer la charge. Je vais la rebaisser à 13 A sur ce véhicule-là également. Parce que là, on est passé sur le mien. Donc là, on voit 7 heures de charge pour arriver à 100%, 68 à 100%, sur une modèle Y propulsion. Si on passe au 16 A, qu'est-ce que ça donne? 5h45. Et on charge. Alors, c'est à 3,7 kW. Alors, la Tesla arrondit à 4, mais c'est à 3,7 pour être précis. Donc, je rebaisse. On va aller voir sur le chargeur ce que ça indique. Donc, quand on est en train de charger. Alors, il y a un petit film de protection, mais je le laisse. Qu'est-ce qu'on a comme info? Alors, je vois que ça scintille sur l'écran, donc je vais vous le lire. Alors, 19 degrés le chargeur, 16 ampères. Donc, on a température, on peut voir s'il chauffe ou pas. Là, ça délivre 13,3 à 3 kW, tout pile. Et on voit combien on a repris et le temps de charge. Alors, je vais aller l'augmenter à 16 pour voir ce que ça donne. Bien sûr, on peut le faire aussi de l'appli mobile. Ça fonctionne. On voit déjà que le chargeur a pris 1 degré, 20 degrés. On charge à 16,4, 3,7 kWh. Donc oui, ça charge bien plus vite. 16,4, ouais, c'est pas mal. Alors si comme moi vous avez les sexy boutons, vous pouvez régler dans l'application de maintenir la poignée arrière ouverte pendant le nombre de secondes que vous souhaitez et ça déverrouille la prise. Donc ça évite de devoir aller appuyer dans l'application ou sur le véhicule directement. Je vous fais le test. J'ai mis 3 secondes. 1, 2. Vous voyez, 3 secondes, ça a déverrouillé. Je peux détacher la prise. Ça, c'est quand même pratique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.